Et bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 15 octobre 2024. Donc, tout d'abord, ben, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, chez vous et votre petite famille. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter, les amis, bien entendu. Donc, vous savez que pour l'algorithme YouTube, il n'y a pas mieux, donc max de pouces bleus, partage et commentaires, puisque plus il y en a et plus je suis visible pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas et qui peuvent être de potentiels abonnés. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, allez-y, franco. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos, bien entendu. Et puis, on va démarrer le pronostic. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube qui est ici, donc chaîne très importante pour moi, où je vous montre mon métier, voilà ce que je fais en dehors de YouTube. Donc bien sûr, c'est un CDI, j'ai un CDI, hein, donc je vous montre un peu ce que je fais. Donc n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube, le lien est en description sous la vidéo. Vous avez le lien en fin de vidéo et bien sûr, donc en fin de vidéo, vous l'avez, et en description sous la vidéo. Donc je vous invite à y aller, à vous y abonner, à partager les vidéos, à les commenter et à partager la chaîne sur vos réseaux. Voilà, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça motive énormément. Plusieurs vidéos sortiront, mais ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, les amis. Donc en description, hein, sous la vidéo, le premier lien que vous verrez, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Donc les amis, on va passer à mon pronostic Quinté Plus. C'est parti, ma méfiance, toujours en fin de vidéo, comme d'hab. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on y va pour le programme qui est la R1C2 à Chantilly à 13h55. C'est le prix du chêne du coup de foudre. C'est du plat sur 1900 mètres. Il y aura 16 partants, 55 000 euros d'enjeu. C'est un handicap divisé, une corde à droite et une course en PSF. La liste des partants, la voici. Donc n'hésitez pas à mettre pause et faire un petit zoom dessus, histoire de voir les jockeys ainsi que les musiques des chevaux, si vous le souhaitez. Mon niveau de confiance, 3 sur 5. Pas de nom partant pour le moment. Et, voilà, ça peut changer d'ici mardi, mais pour le moment, il n'y en a pas. Voilà. Donc je suis allé voir aussi un peu pour la course du Quintet de ce lundi. Mon favori qui rentre premier. Et malheureusement, le 6, mon regret, qui nous bloque un peu le parcours. Donc voilà, dommage. Dommage. Mon prono pour ce mardi. Donc, mon favori sera le 6, Dazzling Jewel, monté par Barzalona. Ma base sera le 9, Nobleman, monté par Grandet. Mes outsiders seront le 10, After Midnight, monté par Velon. Le 16, Gato Pardo, monté par Paco. Et le 12, Day Trader, monté par Madamette. Mon regret, le numéro 14, Tilila, monté par Pouchet. Pour ce qui est de mon conseil de jeu. Alors, mon 2 sur 4 sera le 6 et le 9. Mon 2 sur 4 combiné sera le 6, 9, 8. Mon couplet sera le 6 et le 9. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 6, 9, 8. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 6, 9, 8 et 10. Mon tick 3 sera le 6, 9, 8, 10 et 15. Mon multi en 7 champ total sera le 6, 9, 8, 10, 15, 16. Mon multi en 7 normal sera le 6, 9, 8, 10, 15, 16 et 7. Et pour ce qui est de ma sélection de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé
quarté, quinté, combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu. Ce sera le 6, 9, 8, 10, 15, 16, 7 et 12. Et mon cheval de complément sera, mon regret, le 14. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus. Donc on va attendre que ça défile. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube. Très important les potos, vraiment. N'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et puis on va parler de la course de dimanche où j'ai eu un couplet en deux chevaux. Donc voilà, mais par contre on fait malheureusement un tiercé désordre et un quarté désordre, mais en 8 chevaux. Donc vraiment dommage pour ce dimanche, j'en ai pas parlé, voilà, donc j'en parle maintenant. Mais c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc ne bougez pas. Pendant ce temps-là, mettez un max de pouces bleus, les amis. Partagez, abonnez-vous, commentez. Puisque si vous avez tout noté, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, c'est en dessous. Vous n'avez qu'à le faire, à cliquer. Voilà, et le tour est joué. N'hésitez pas à vous abonner également. Je compte sur vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour les nouveaux venus à mettre la petite cloche et toutes les notifications et vidéos. Et puis voilà, après on va passer à ma méfiance dans quelques instants, histoire que ça défile jusqu'en haut. Et puis après on y va, tranquillement, mais sûrement. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. J'ai bossé ce matin, que je bosse jamais le lundi, mais bon, c'est comme ça, je fais un remplacement, donc forcément, je dois y être. Donc ma méfiance sera le 11 Massimo Meridio, qui sera monté par Soumillon. Donc voilà, cheval pas trop mal, on va voir, mais sa musique, mais voilà, pour moi, il ne sera pas dans les 5. Désolé les amis. Donc il sera pas dans les 5, je le vois pas du tout. Donc après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, je suis pas devin. Donc après, tout peut arriver, bien entendu. Donc s'affiche. Là voilà. Donc Soumillon, le jockey, Guarnieri, l'entraîneur, c'est un nombre de 3 ans, donc il aura des œillères. Ses dernières courses, deuxième, sixième, troisième, c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas trop mal, hein. Sur 4 courses, il est rentré 3 fois placé. Donc voilà, ça peut être un cheval dangereux pour le quinté, après à voir, mais moi je ne le vois pas dedans. Même si je peux me tromper, hein, parce que Soumillon n'est pas mauvais, le cheval n'est pas mauvais, donc à voir. Voilà, s'il tient son rythme, il peut rentrer. Ça peut faire mal et ça peut faire mouche, mais j'aime bien les risques, donc je vais l'écarter. Après, si vous voulez le prendre, pas de problème, les amis, vous êtes libre de vos choix, c'est vous qui faites vos jeux, hein. Moi, je suis là juste pour vous aider avec des chevaux que je donne. Après, à vous de voir. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire pour le pronostic Quinté Plus. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter, très important. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube, très important également, déjà 854 abonnés. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui sont allés, qui ont partagé les vidéos sur leurs réseaux sociaux. Merci à ceux qui le feront et à ceux qui s'abonneront. Vraiment, merci à tous. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire. Donc, n'hésitez pas. On se revoit demain. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du Pick 5 qui sera postée en même temps que celle-ci. Par contre, l'écrit sûrement sera posté un peu plus tard dans la journée. Mais Ali sera, vous inquiétez pas. Sur ce, bonne journée à tous. Bye bye.